On n'a pas. Ah bah. Ah, en plus, il est tout nu, Sweden. Ah bah, voyons. Nudiste. Attends, restez là. On est parti sans voir, Zen. Il est où, Mystery? Il est là. Mystery, il est tout nu, Sweden. Alors, Je le recharge. Ah, formidable. Du coup, là, je suis en portage de connexion internet, mais là, au moins, ça marche. Reçu, fort éclair. Dans les canals 2. Alors, Sweden, alors est-ce que tu peux assumer ton lead ou pas? Maintenant, ouais. Canal 2 pour être rouge. Un peu plus assaut. Là, évidemment, en souci, bah, tu le reprendras. Après, même si ça n'arrivera pas. Si on se déplace, alors, sur rouge, la vieille Froggy. Bleu, Weldrid et Aku. Non, on va demander les canals 1. Ah. Reçu. On est canal 2, hein, c'est ça? Oui. Ok. Ouais, c'est bien ça. Alors pourquoi on entend donc logiquement, les deux natives vont être les pointman des binômes. C'est logique que je mette les deux autres un peu plus spécialisés derrière. Les ordres de marche sera rouge devant, bleu derrière. Je serai son libre entre vous deux. T'as combien de greux? 35 comme moi? Attends, t'as dit quoi pour les couleurs? T'as dit la vieille et Froggy en rouge, c'est ça? C'est ça, et Weldrid est à coup en bleu. Ok. 32 grenades, ouais, Weldrid. Et une paire de. 32. Ça va être simple. Ah vache. Et des fumigènes vertes. 35 fumigènes. 5 fumigènes qu'on pourra utiliser pour masquer le mouvement quand on va donner la. Le fion quitte à faire ce qu'on peut faire en marche. Ouais. Ouais, bah écoute, rouge devant, bleu suit, en colonne. Ok, alors départ. Leader ici, sabre, merci. Ok, on va partir plein nord et couper vers P1, c'est bon? C'est ça. Ok, c'est parti. Voilà. Donc, allez, go. Lui, tu suis? Yep. Okay. Et parti, ce coup. Que je vais faire, c'est de suivre la lisière sur notre main gauche jusqu'à arriver au hop, premier. Et puis donc, au premier muret. Au niveau de la colonne, on va. Ça vaut pour les armes, mon souhait. Rouge ouais, en tête, donc Granak en tête, Warzen qui suit. Attendez, la sabre. Ça va pour les armes. Normalement, on doit longer un petit peu la route et après on bifurque à gauche. Seul à avoir des douleurs. Ça mal à coup. Ouais, je sais pas, mon perso il arrête pas de queener. Check, check toi pour voir. Ouais, je me check, j'ai rien. Ouais. Y'a pas de soucis. Ce que j'aimerais bien, c'est arriver ici. Là, ça doit être la couche. On a une route sur notre gauche là. L'idée ce serait sur ce qui est d'arbre pour arriver sur la tête. C'est quel temps? J'allais voir Sweden. Sweden. Yes. Regarde ta map. L'idée, ça serait d'aller jusqu'ici, suivre le truc et monter jusqu'à Indar pour arriver jusqu'à P1, ça te convient? C'est parfait, ouais, c'est soit quoi. Ok. C'est ça, c'est bon. Par contre, j'ai peur de la rater. La route? De quoi? Pardon, la route, tu disais? J'ai pas compris, répète. Tu as peur de la route ou de la ligne d'arbre? La ligne d'arbre, je sais pas, j'ai peur de la rater. Enfin bon, on va se remettre en route et puis on va bah, de toute façon, le repère ce sera la route quand on sera arrivé plein ouest là. Ok. Quelle route? On est censé traverser une petite route là en 67. Un moment. D'accord, ouais, ok. Non mais ce que je veux c'est récupérer ça et ça j'ai peur de le rater en fait. Mais bon, c'est pas grave. On pourra y aller. Ok, on est reparti. On repart.
traverser. Départ à ton top, Sweden. Rien en visuel. Négatif. Allez, go. Ok. Parti. T'es 35 kilos, je me tape. Vas-y, prends la gauche. 30 kilos. 35 kilos. Ouais. Allez, halte tout le monde. Halte. Halte. Va falloir que quelqu'un me prenne mon deuxième M136 parce que là ça va pas le faire. Hein. Ah, je peux pas, je suis à 34. Deuxième ? Je suis à 34 kilos. Ouais, moi pareil. Hein. Je suis à 31 moi. Ouais, pareil. Ah bon, bah tant pis alors. Pourquoi t'as deux M136 ? Parce que j'aime bien faire beaucoup d'explosions. Fais comme moi, prends des charges en sacoche. Tu veux qu'on continue en marchant ou on s'arrête pour reprendre totalement le souffle? Parle sur la radio, non, la vieille. Ouais, tu veux qu'on s'arrête jusqu'à reprendre le souffle complet ou on continue en marchant pour se reposer? Pour cette pause-là, on reprend le souffle complet. Pour les autres, ça dépendra de la situation. Faut surtout surveiller notre cul. Hein. Bah, ils sont à l'arrière, les autres. Bleu, faites-moi un scan au sud de la Geneviève sur une carcasse de véhicule. Yeah. Azimut 230. Ouais, il faut savoir que ça va être un caillou. En rouge, dès que vous êtes bon, top départ. Rien. Ouais, c'est bon. Ok, bah écoute, moi je suis à 3 barres, on peut repartir. Oh. Ok. Top départ. Parti. Par le médecin avant de partir. T'as des blessures ou pas? Non, j'ai rien du tout. Je pense que c'est bizarre. Un dysfonction. T'as des contusions, des trucs comme ça. Non, j'ai rien. Je pense que c'est un bug de barre. Hein. Il va falloir continuer en marchant, je pense. Essayer les deux barres. Oh putain. Une barre et demie. Ah ouais, t'as vu, t'as bien passé à côté. Manque d'exercice. Une barre. On va s'arrêter. Okay. On reste devant et on traverse. Halt. Halt. Sweden. Yes. Ouais, apparemment on a des soucis avec le souffle. Donc ce que je te propose c'est qu'on continue à pied, qu'on prenne direction plein nord pour rejoindre le prochain bras de forêt. Vas-y, on fait ça. Ok. Donc on y va en marchant. Prêt Froggy? Ok, on va. Putain. On a l'air de débile comme ça. Marche. Comme une patrouille. Mais c'est quand même un petit espace mangue. Je me suis chopé ici quand même. Je
Dès que t'es prêt à repartir, Covid, tu me dis, on se prend dans les arbres et puis on c'est bon. On est parti. Accélère. Bon. Halt, prenez vos azimuts. Halt. On est au niveau de la route. Puis, repartez vers l'arrière. On est arrivé au niveau de la route. On est au niveau de la route, faites passer. On est au niveau de la route, savoir pour les radio, ouais. Vous pouvez répéter la position des ennemis. A mon avis, il y a un GPS, il le sait. Hein. Ah ouais, ok. Ouais, sûrement même un micro d'aguerre. Ok, c'est bien pris. Ok, après on part. Tiens. Ça va, l'écoute. En fait, je sais pas si j'ai mal ou si je suis en train de tourner un porno. Ça brosse sur point d'ici 5 minutes. Ouais. Ouais, c'est bien pris, je vais partager l'info. Ok, à tous, avancez discret. Plusieurs patrons ont été repérés par la première équipe Whisky. On va faire, on va rester accroupi pour la durée des déplacements jusqu'au point. On commence à avoir le vu sur ce qu'on a en face de nous. Putain, en plus, je suis ébloui, tout était éblouissant, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Appuie sur échappe. Ouais, je l'ai fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je change rien du tout. On avance sur le rocher devant. Ok. Continue, Sweden. Ouais, affirmatif. Ok, c'est parti. On a la lisière en visu. C'est bien pris, arriver sur P1, on s'éclate. On prend un maximum d'objectifs. 360 degrés. FPS à 19. Ouais, rouge tu sers, tu restes sur le nord, bleu tu restes sur l'ouest. La visu sur la ville elle est à notre 305. Patrouille au loin. Gâte à gauche à court. Bleu, vous avez visuel sur l'autoroute A1 depuis votre position, plein ouest. La route, non, elle est en surplomb, on la voit pas. Négatif. Par contre, visu sur objectif alpha.
correction, il me semble que j'ai joué un bout de A1. Ok, bon bah il y a du contact sur Alpha, comme promis. Ouais, faites-moi un topo sur les présences ennemies. T'entends super mal, Sweden. Un topo sur les présences ennemies. Un topo sur les patrouilles repérées. De bleu pour l'instant, j'ai juste vu 3 hommes en patrouille autour de la grange Alpha. On va pas d'ici. La grange, je la verrai entre les arbres azimut de 290. J'ai repéré une patrouille 340 loin. Vous confirmez moins d'une dizaine d'hommes à vous deux? De bleu, j'ai un visu partiel seulement, donc je peux pas confirmer pour tout Alpha. Ouais, c'est bien pris, on patiente. Personne n'aura un visuel sur un mortier à tout hasard. Je me décale. Tu veux que j'avance en parallèle à coup, à côté de toi? Non, pas obligé, je suis un œil. De bleu négatif, par contre, je vois un container au niveau de la grange Alpha. C'est bien prêt, on reste. Embête-moi ça à coup, j'étais en communication, désolé. Je disais que sur la grange Alpha, il y avait un container qui avait l'air intéressant. Quel azimut? 2,90. Tu verras mieux à la jumelle que moi. Je vois. J'ai repéré une deuxième patrouille. Aux alentours de l'église de le village. Ouais, ça va, l'écoute. Non, il y a du fond, il est toujours sur le. Il y a une autre grosse patrouille qui vient de passer depuis le sud, se dirigeant vers le nord. Je pense qu'on doit avoir au moins une douzaine de mecs dans ce village. Répète dernière com. Ouais, c'est bien pris, j'attends top. Ok messieurs, Whisky est en train de se placer sur son point de support. Une fois qu'ils auront rejoint leur position, on va commencer à faire un saut sur la forêt qui est à notre nord-ouest pour ensuite aller directement sur A. B pris. Comment tu veux qu'on y aille en rampant accompli debout?
On va faire des bonds jusqu'à la forêt là. On va quitter la forêt dans laquelle on est le plus tard possible pour être à couvert. Ensuite direct la forêt qui est en face de nous là en 320. Et ensuite on fera les sauts avec les éléments qu'on trouvera, mais les bottes de foin semblent tout indiqué. Ils vont nous couvrir d'ici. En progression on va être assez seul, je t'avoue. Ouais, ça transpirait dans le plan ça. Ça va, Eldred ? Ça va. Ok. Ah, puis je tremble comme un abruti, là, j'arrive pas. C'est horrible. C'est quand même plus sûr. Pas de blessure. Bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Ça fait ça dès le spawn ? Ouais. Partie à découvert, ça va être du sport. Ouais. Surtout quand on a traversé jusqu'au point alpha, et pendant le nettoyage de alpha, vous restez collé au cube de binôme. Ok. Si on se colle le cul mutuellement, on va pas y arriver. Tiens, c'est marrant, je les vois plus les patrouilles autour d'Alpha. À un moment, je les ai pas vus. Ah, c'est derrière les. Derrière les bâtiments. Oh. Ouais, je pense. Ouais. La patrouille que t'as indiqué tout à l'heure, Froggy, combien d'hommes là? Ou alors, c'est un réfugié à l'intérieur. Au moins 6. Je pense qu'il doit y en avoir au moins 2 des comme ça dans le village. Plus une autre potentiellement quelque part sur le 330. Dans cette zone là-bas, vers les sapins, peu avant. Ouais, elles sont toutes les 3 mobiles. Tu vois ça au 311 hein? Ah, y en a, je la vois plus là, mais elle se balade dans cette zone là. 4 hommes là, je vois. Derrière l'objectif. Derrière la ville de Vachinon, on les voit un peu là-bas. Bon. Plus que 4. Ok, reçu. Whisky, un petit contre-temps, ils sont en train de se remplacer. Ça bientôt sera nous. Fourbissez les armes. Chef, on met les traçantes ou pas? Attaque, on danse.
Oh, oh, ils sont engagés. Ça vient de l'arrière, ça. Ouais, au 60. Ouais. Restez calme. Le redéployer ceux qui étaient sur le derrière, vous redéployez sur le flanc de nord-est. On est du 60 à peu près. Je confirme. Ouais. C'est Sierra qui s'est fait accrocher. Pour le moment, ils ont pas de perte. Ok messieurs, ça va être à nous. Bah j'aime pas quand on dit ça. Parti. Et c'est un top assaut, c'est parti. T'es prêt Beldred? Ouais. On rapproche de toi. Hop, on passe. On y va. Ok, parti. Bon, redécouvert. C'est prêt. Allez, en avant. Droite. Parti. Let's go. Ici une cinquantaine de mètres. Laissez un espace de 50 mètres entre les équipes. Je ralentis. Ça devient de plus en plus proche là. Il y a du monde en face. Je sais pas qu'est-ce que je fais, je continue ou... Il y a du monde là. Quoi? Ouais, il y a une patrouille là sur la route à azimut 320. Ouais. La vieille, tu confirmes visuel sur la patrouille au 307, 4 hommes au niveau de la route. Négatif, pas d'ici. On les voit bien. Ouais, on les a. Ok, tu vas taper plein nord directement sur le petit bout de forêt là, avec les cailloux là. On va pas continuer vers la lisière, on va s'approcher trop près des ennemis. C'est reçu en oblique. Départ à ton top. Ok, faites bien gaffe donc à la patrouille indiquée précédemment et top action. C'est bon, ils sont partis. Allez au 300 maintenant. Ouais. Gauche. Allez, on bouge notre cul. 50 mètres d'ailleurs. Ah, il s'éloigne. On arrive au calme dans la forêt, on établit une position de feu. Si jamais les patrouilles sont trop près, on fera une élimination. Arrivé en face, on établira une position de feu pour se dégager la voie si nécessaire. Ça va. Non putain, ça... la crève. Je suis en rouge déjà. Gaffe messieurs, il y aurait du contact droit devant, attention. Baldrige, je marche, je peux courir. Halt. On stabilise ici. Rien à droite. Rien à gauche. C'est bon pour moi. Déjà bon pour moi. Pas pour moi. Je suis encore. Halt, possiblement véhicule blindé, AT.
du ok, les AT, on a une cible est, BTR. On va, pas l'est là, on va là, il passe devant. Vu. Veldrid, viens, flanc droit, flanc gauche, viens. Planque-toi. Ils sont passés par là. On tourne avant de tirer. Putain, j'ai plus de souffle. Crevé. Perdu. Là, ici. À ta gauche, à coup. Ok, ouais, nickel. Je vois des toits là, devant moi. C'est pas une super position, on va bouger. On a des murs au 270, hein, si jamais. On est au 270 de notre position. Le blindé passe à l'ouest là, le défilé en gauche. Là. Ouais. Ouais, j'entends Mystery. On file sur le 270. Ok. Et passe en bon. Le blindé est à l'est, le défilé en gauche. Toi là, c'est corrigé. Ouais, parfait. Ok à tous, on va décaler sur le flanc ouest pour avoir une meilleure position. Bleu recollé avec rouge. On est là. Ah, par contre on a un gros découvert à traverser. Ça engage de nouveau sur l'arrière. Il y a le blindé sur le village à l'ouest. Lors de la progression. Okay, couvrez l'avancée de bleu en rouge. Ok, c'est reçu. En position. On bouge. Ok. Je suis. Le flanc gauche, je cours vers l'avant. Position. Ok, bleu. Allez, go. Ok, bleu, on est là. Ok, pour info, le BTR est en train de partir vers le nord-ouest, hors de la zone de Gristan. Ouais, qui se casse bien loin. Allez, on avance sur la rivière, la lisière jusqu'au muret. BTR 320. Éloigné. Allez, on continue, Azimut 300, là. On va jusqu'au muret. Marche à vous. Vas-y, double-moi. Ah, c'est ça, gauche. Allez, écoute, ça va. Ah, y'a plein de beaux murets là-bas, ça va être cool. On est actuellement sur S2, Mauvaise. Bon contact entre les bâtiments, pile 310 et il se dirige vers nous. Ouais, je confirme, je pensais qu'on est aux alentours du point N5, on se retrouve sur S2. On va rester sur la position pour le moment, on évalue et je te redis ça en 10 minutes. Je trouvais pas qu'ils venaient vers nous. Je trouvais qu'ils étaient juste en train de courir comme des débiles. Ils sont déjà arrivés dans la zone. Il y a des murets un peu plus bas au 290 là à coup. Ouais, on y va. Oh, ça tire du village là. Ouais. Non, c'est les copains. Non, c'est les copains qui tirent là. Allez à tous, prenez des positions de tir sur le point S2 là. Contact repéré sur les chapins au nord. De bleu, on voit que dalle en contrebas vers l'ouest. Les gars, vers l'église, il y avait du monde aussi. Hein. Ouais, je compte. Normalement, il y a rouge, il va être. Plein nord. Consigne de feu.
Ah, j'ai un contact statique au pied de l'église à l'entrée. Tu vois? Garde-le, moi je le scanne. On est possiblement... on est entre deux feux là, mais on est pas visé. Gaffe rouge, ça pourrait venir de derrière nous. Contact statique à l'entrée de l'église au 358. Statique? Ouais, bouge pas. Je vois. C'est quoi les consignes de feu? C'est la réplique? Ouais, pour le moment, ouais. Ok, on voit que dalle sur l'ouest en contrebas. Par contre, il y a des caillasses un peu plus loin. J'ai pas envie que des mecs s'approchent, quoi. Ok, on a un UAZ qui arrive sur Vishnu. Par où? Ah, il arrive par le nord. Contact arrière, deux ennemis, lisière forêt, 3 au 110, environ 400 mètres. Ouais, j'ai bien pris, prenez position de tir, on va s'en charger. Ah, parce qu'on voit rien de toute façon. Bleu, maintenez position. J'ai toujours cru perdre dans la gueule, je bouge pas. Exact. Ouais, je le vois là, défilé en droit. Hélico de transport, azimut 240. T'as engagé si on les a? Vous pouvez engager. Tu confirmes feu à volonté? Affirmatif sur défensif. Défensif, ok. On se fait tirer dessus, quoi. Ok, c'est pas à volonté, quoi. Prêtez pas attention à l'hélico, l'autre équipe s'en charge. Ok, y'a des mecs, une grosse patrouille derrière les maisons, défilant gauche, 310. Enfin, grosse. Disons qu'ils avaient l'air bien équipés. Hop, y'a une autre patrouille qui se barre là où l'hélico se pose. Là où l'hélico vient de se poser, c'est-à-dire en 300, il y a une escouade qui part. Qui part où? Qui part dans quelle direction? Ah, l'hélico il a posé les mecs. Il dirait qu'ils partaient vers leur sud-ouest. Ouais, il s'éloigne. Et lui il s'éloigne vers l'ouest. Il quoi déposer des mecs, hein, j'ai vu. Ah. Mouvement dans le village au 310. Ils ont engagé quoi, quel azimut? Tu vois, il est caché 160, juste derrière la barre blanche. 154, oui, 154. Ouais. C'est les collègues, ça. Non. Quoi? 310 dans le village, je vois plusieurs mecs là. Ouais, derrière, ouais. À l'intérieur, okay. Entre les deux maisons rouges là. Ouais, je vois une patrouille derrière en 330. Tâche, ça me retient là, je retiens la gâchette là. Mais... Ouais, grenade sur la lisière. Ouais, je la vois ta patrouille, ouais. Grenade sur la lisière, ça veut dire quoi ça? Bleu, ça me casse de l'autre côté. Nos bons contacts potentiellement éliminables. On garde le doigt hors de la gâchette. Ok, restez sur position là. On s'assure que ça passe bien derrière et ça. Il y a une grosse patrouille qui arrive. Les fumées vertes, des copains. Sur la maison verte là, il y a beaucoup de monde. Ouais. Ok, j'ai pris. Putain, halte au feu, ouais. Faut croire que pour l'instant, on n'est pas découvert, Veldrick, donc Continue nord-est. Nombreux alliés à terre. Putain, c'est sérieux, ça. Ils se font manger par la patrouille, là. Tire plus loin. Ah.
Deux véhicules ouest. Deux véhicules ouest, UAZ. Ouais, il arrive là. Il vient vers le village. On aurait pu se les faire, les mecs là. Ouais, là t'aurais pu balancer une belle patate sur les mecs là-bas en plein champ. Ouais. Oh putain, regarde. Regarde au 320. Ouais, tu balances une patate. Les patrouilles qui vont se croiser là. On a une bonne opportunité pour éliminer deux escouades dans le champ en azimut 320. Voilà, bah c'est. Feu sur cette escouade, tout le monde balance position. Balance une grenade. Distance. Je sais pas, vu de nez. La distance, on est à. 400. On est à 400 mètres. 400 mètres, 400 mètres. 150 mètres ici. Ok, on a Squidon à terre, Il a dit Gaffonor. Ah bah tu, c'était un mitrailleur, j'ai eu. Ok, Squidon s'est relevé. T'es engagé depuis l'arrière. Ouais, je suis bon. Pareil. T'es encore un allié ça, non? Leader, vous confirmez, on est sur point S2, on va tirer, c'est pas bon. Je me relève. Ouais, c'est bien. C'est quoi cette grosse? C'est une fume? Oh putain, j'ai eu peur. Belride, ça va? On a un autre roi de ma terre, apparemment. Belride à terre. Il est au sol, je m'en charge, je le bande. Ok. Ok, Belride, retire-toi. Patche-toi. Ils viennent vers nous. Froggy, encore là. On se défend, messieurs. Recharge. Un site rep là, il faut savoir où sont les amis et où sont les ennemis, et on sait vraiment où tirer. Ouais, alors ceux qui sont derrière nous, normalement c'est les alliés, ils tirent au-dessus, pas sur nous. Là on a du contact au nord et on a du contact à l'ouest. Tout ce qui est ailleurs c'est bien. Ok, je vais me bander. Okay. Allez, dire que vous entendez là, normalement c'est les alliés. 120 à découvert, ennemi. Ouais, ça, bon, on est sûr. Ça va, Madrid ? On est un peu pinned down là, on essaie de se défendre. Eh, Madrid, il va bien ou quoi là ? Écoute, attends, il est. Non, je crois qu'il est en déco là, il est en déco. Oh. Négatif, j'ai pas de nouvelles de whisky. La position de tir, donc à peu près au niveau de S1, c'est vous, entre P1 et S1. Froggy, tu vas bien? Ok, c'est bon, nickel. On est toujours sur S2, là, on traite ce qui arrive. On maintient les gars, on maintient. La longue range qui se trouve derrière le château d'eau, c'est bien pris. Putain, j'arrive pas à viser, y'a un mec à l'entrée de l'église. Putain, l'Iad Waldrid vient de flinguer. Oh bordel. Flinguer quoi? Sur l'église, je vois des ennemis. Ouais, confirmé. Y'a des mecs à l'entrée de l'église. Ouais, l'Iad Waldrid vient de flinguer la veille, je sais pas pourquoi. C'est vrai. Oh non. Bah, il a. C'est parce qu'il a tiré sur les alliés avant. Oh non. Essayez de nous choper un visuel sur la grange avec un château d'eau. Normalement à côté de nous. Ouais, pas de soucis, elle est sur l'ouest là, mais c'est en contrebas, on voit mal. Ok, c'est reçu. Est-ce que vous avez visuel sur l'église? Il y a un mec qui est en train de nous engager. Ouais, c'est lui qui me tire dessus depuis tout à l'heure, l'enfoiré. Bon, l'autorisation de foutre la grenade dessus, hein, même si c'est sacré. Allons-y.
C'est bon, traité. Ah oh, bordel, je tremble tellement. Putain, mais je saigne encore. Ok, de sabre, on a subi une perte, on a quelques légers blessés. On se patch et on va sur, sur le point alpha. Valdrid ? Valdrid ? Allez, Valdrid, réponds-nous. Et serre-toi de cette putain de grenade, moi, sinon je te prends ton lanceur. Ouais. Parce que moi j'en aurais déjà balancé 50 des grenades là. J'en ai récupéré d'ailleurs. Prends-le. Vas-y. C'est quoi ? Je le fous au sol. Prends-le. Ok, cool. On y a descendu la vieille. Non. Si. Pardon. Il a pris un tir allié et on y a décidé que ton heure était venue. Oh putain, alors quand c'est pas moi qui fais des TK, c'est mon IA quoi. Nombre contact proche vers un poteau électrique portant. Ouais, c'est ça pour l'écoute. Où je suis là. Ouais. Position de tir là. Il est où l'enculé? Ok, répété, il y a eu mise comme. J'étais à deux doigts de te t'abattre, Wildride. Parce que j'ai cru que j'étais le prochain sur la liste. J'ai aussi engagé de la direction générale des alliés, apparemment c'est la vieille. Ok, au confirmant, on fait gaffe au tir sur C, il y a whisky sur C. Whisky sur C, d'accord, sur l'église, ok. Ouais. Vous avez bien pris, il y en a whisky sur C, faites gaffe au tir. Ça marche. Compris. Ok, on va lâcher whisky, maintenant on va se diriger vers A. On va donc taper plein ouest. Oh. Ça vient de l'ouest. Ça vient de l'ouest. Répétez. Confirmé. Ouais. Ça vient d'où ça? Et... Ça vient, ça j'aime pas. En gauche. Prenez ma position les gars là, vous serez bien à couvert le mur là. Là on bouge. Attends. Ok, vous me balancez quelques petits smokes là, droit devant là, azimut 310, et on fait des sauts avec les cailloux. L'objectif c'est de rejoindre le village et les protections du village. Bien pris. Ok. Allez, balancez-moi les smokes. Donc à coup, je serai en binôme avec toi. Okay. Tu peux ramasser des gros sur la vieille? Ouais, vas-y. Désolé la vieille. Faut commencer. Non, putain, c'est pas ça que je veux faire. Allez. Hop. Allez, on se gave. Hop là. Allez, on y va. Pour engueuler par le commandement, là, faut qu'on se bouge. Et allez, hop, je suis parti, moi. C'est parti. Allez, messieurs. Voilà. Oh putain, je suis tiré dessus. J'ai envie de me mettre en train. Ça, bon, on est en mouvement entre les smokes là, on progresse. Attendez, je corrige. Aku retourne avec Wildrid, je vais avec la vieille en binôme. Wildrid, t'es là? Ouais. La vieille est mort. Poggy. Ouais, je suis à côté de toi, Aku. L'allié qui se déplace sur la N5, quoi, c'est bien pris. Ok, je sais pas ce qu'il est en CQB, moi. Ok, on fait gaffe à notre flanc ouest, sud-ouest, les gars. On va avoir des alliés qui vont progresser. 330, j'ai les tirs. On va avoir des alliés sur notre sud-ouest? On va avoir des alliés, ouais, sur notre flanc gauche, là. Ok, back. Et on avance vers la grange? Et on continue d'avancer vers la grange. Ok. On y va doucement parce qu'on a du contact proche, là. Ouais. Du temps qu'on peut y aller sud. J'ai enlevé mon viseur. Attends, on fait une pause, là, j'enlève mon viseur. C'est pareil. Avec Adam. Hop mort. Allez, go. C'est bon. Allez, Valdrid. Go. Il est. Passe debout. Oh putain, fais gaffe. Ouais. Un couvert. Ok, gaffe, donc lui il était droit devant. 289. Gros. Frag. Un qui court. Distance, on est à. Ah.
pris une en fait. Hein. Je crois que c'est un peu plus à droite. Putain, c'est encore mon bras qui a pris un garrot. Qu'est-ce que tu as ? Le savon progresse, on est légèrement retardé par les unités. Ah, je le vois le mec. Vas-y, tire-lui dessus. Yo. Tire-lui dessus avec des 300. Yo. Yo 290. Surtout ne bouge pas Valérie, je suis en train de tirer. Ouais. Je mets des 300. 290. Ok, je vois pas. Je suis juste derrière l'arbre. Je vais donner à distance. C'est 300 je pense. 370 mètres. 380 mètres, ouais. Merde, trop court. La prochaine, elle sera bon. Ah, ouais, pas trop mal. Là, ouais. On va se rapprocher un peu là pour que tu puisses faire d'ici des tirs plus de précision. 300, défile en droit. Ok, en position de couverture, on allume. Ils sont où là? Ils sont où? 300 là. J'ai que dalle moi. Avancez un peu les gars, on a un muret avec une bonne position droit devant. Ok, pas okay. Coup. Il est où le muret? En face là, juste là, hop. Ah ouais, si, putain, okay. T'es avec moi, Froggy? Ouais. Garde toi à coup. Ok, ok. Bon, prends flanc gauche. Allez, go. Prends le côté gauche. Oh putain, c'est horrible, c'est spasme. Attention, on a peut-être des copains sur la gauche, faut pas oublier. Le sable, on arrive sur la branche. Avec hop, contact. Contact. 340 à peu près. Ok, ils sont sur notre gauche, on va prendre passer. Je vais passer à droite. On s'habille ici, ouais. Les gars. Est-ce que j'ai encore des bandages? Ouais, je me bande. Perdu du. Tu couvres? Je me bande. Vas-y, vas-y. Mais putain, quel con. Chiotte, je fais spier un bandage. T'as mis sur le mauvais membre? Non, j'ai annulé. Hop. Ah, tu fais échappe. T'as bien mis des traçantes? Ouais. Ok. Jaune. Contact, il est au plein nord. Plein nord, mais j'ai pas de visu, il est derrière les baraques. La balance des greux, hein. Enfin, fais gaffe, ouais, parce qu'on avait whisky sur Charlie. Ah. Même sur l'église, je pense. Ok, sabre, on décroche le flanc du nord. On se déplace sur le château d'au fond. On va devoir clean la grange. Bleu, rejoignez-nous. Oh. Allez, on y va. À gauche? Voilà, viens ici. Ok. Ok. Et on est là. Ok, Bluff, vous allez me trouver la grange. Mais avant, tu vas me pacifier la grange avec quelques grenades. Ah, oh, c'est ce que je pensais faire. Ah oui. Donc quoi, hein, les grands esprits se rencontrent. Y'a quoi, y'a 100 mètres là? Ouais, moi. Frag. Sabre, on commence à nettoyer la grange. Frag. Restez avec eux. Ça, c'est une pacification précise. Weldrid couvre bien le flanc ouest là, sur ta gauche. Passe quelque chose derrière là. Hein. Ouais. Apparemment c'est au sud. Oh putain, il y a un shrapnel qui est tombé à côté. Bon, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, en gros. Patiente un peu, je te fous un bandage là, tu saignes. Ah merde. J'ai bougé, ça va? Ok, donc bleu. Bleu, vous allez aller par l'entrée là qui est juste à côté de nous. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est parti, on peut y aller. Allez. Et nous ouvrons, je suis. C'est par les petites baraques à gauche là. À couvert. On couvre votre flanc gauche. Ok. Avec moi, Aldred. Avec moi.
passer. Veldrick, tu veux passer devant moi parce que je tremble beaucoup avec mon bras blessé. Ok, tu es. On rentre dans la grange, on rentre dans la grange. Attention la grange, attention, c'est pas totalement nettoyé. Fais gaffe. On est sur gauche. Et à droite, c'est clair. Il faut faire gaffe au flanc gauche surtout. Avec la grue qu'on a lancée, les abords doivent être clean, fenêtres. Mais pas le fond peut-être. C'est bon. Ah, j'ai balancé les grenades à gauche aussi. Ouais, c'est clair. Non, non. Ouais, ouais, ok, d'accord, ça marche. Ah, j'ai cru que t'allais en bas, c'est balancé là. C'est non. Clair dans la grange. Ah, dans les tables. On va au bout. C'est bien pris. Ouais, attends, je scrute un peu. Investissez là, on trouve une position de tir à travers la fenêtre. Et à quelle direction? Je pense de l'autre côté, vers le. Vers l'ouest. Vers l'ouest, ouais. Bon, ici je vois que dalle. Hop, on continue d'avancer. Putain, merde, je ressaigne. Sérieux? Putain. Tu veux que je te mette un bandage ou quoi? Attends, ça attendra. J'arrête pas de le mettre. Ok, on s'habille ici, on va aller faire quelques corps pour récupérer des bandages si nécessaire. Si Sierra arrive, elle va prendre le reste. Reçu, ça m'aiderait là, parce que j'arrête pas de pisser le sang du bras. Okay. J'avance un petit peu. Par là, on est arrivé, il y a un corps si tu veux, à 50 mètres là sur la droite. Une caisse d'équipement, équipement russe avec lanceur RPG, mine ici. Ah, y a une casse au bout, là. Ok, c'est bien pris. Continuez de prendre les azimuts, les gars. Ouais, ouais, y a du matos anti-char là-dedans. Blindé, y'a blinde. Même frag et tout le bordel. De sabre, on vient de découvrir du matériel anti-tank dans la grange. À vous. Oh, même anti-infanterie, je crois qu'il y a de la frag. Je suis à la porte ouest. La grange est sécurisée, on est en position sur Sierra 130. Sierra 130. Juste là. Ok. Azimut ouest 50 mètres. Fais attention à toi, bouge pas. Proximité Azimut. Valdrid. Un instant, juste à l'ouest d'Alpha, on a des cibles, on s'en occupe. Balance une frag à main s'il faut. Hein. Ok, tous, prenez visuel là sur le flanc ouest à travers les fenêtres, on a pas mal d'unités qui sont juste derrière. Putain. Ok, je suis dans la petite. Ouais, je suis avec toi à coup. Façon, ouais, ça tire là. Oh, je me suis mis là tout à l'heure. C'est sur nous, c'est sur nous. Voilà. C'est bon? Ah, ça va, Sweden? Oui. Ils peuvent aussi viser ça. Ah, ils nous voient pas là. Ouais, on va lancer une grenade, peut-être à 50 mètres sur l'azimut 280. Ok. Planquez-vous. Ok, on a une mètre de 280. De sabre, on a donc identifié une position de mortier. Juste attention, grenade nord-ouest d'Alpha. C'est loin ta grenade à 50 mètres. Bah j'ai mis à 50 hein. Ouais, ok, bon c'est pas grave. Bah, c'est juste derrière parce que j'ai un mur devant moi là. Ok, ouais. Non mais c'est bon, c'est pas grave. Baisse. La rigueur, je vais pas baisser. Je vais peut-être la mettre moi-même vu que j'ai un bon visu. C'est 50, fais gaffe avec la 8 par contre. Hein. Ça, ça va passer à travers. Hein. Moi aussi, sinon ça explosera pas. Hein. Attends. Ouais. Tu doutes? Ouais, il semblerait que le leader ait pris des coups. Hein. On va stabiliser le temps que Sierra arrive. Attention, on frag. Merde, peut-être que je recharge avant. Ah bah. Ouais, attention, on frag. Vas-y. C'est bon. C'est bon. Plus là, apparemment. Ouais, faut espérer que ce soit calme. Ça, moi, est-ce qu'on me reçoit? Ouais, je suis 50, j'ai un mur devant moi. Okay, okay. Ça a été plus loin. Éliminé donc un. Froggy dans le coin. On est derrière avec Sudden. On est juste contre la grange, ils sont là. Okay. Juste à l'ouest, à 100 mètres. T'as fait ça?
Il y a des alliés. La station service à gauche là. Ça Froggy, je m'ai entendu. Les alliés sont contre le mur est de la grange. Alliés, coucou. Yes. Ouais, c'est bon. Derrière. Passons derrière. Alliés. Ouais. Ouh, c'est cool ça. Allez, on se prépare à bouger, on va aller sur la zone du mortier. Ouais. Ok. Bien. On a bavé, on va aller voir le mortier si vous pouvez nous couvrir. Y'a pas un médic dans le coin là? On me repasse le pantalon. Oui, quoi, il faudrait ton médic à l'intérieur. C'est Mystery. Viens avec moi, Mystery, viens jusqu'à l'aéroport. Ah, reste juste. Ouais, il est blessé, il a resté ici. Ah, j'ai besoin d'une suture sur le bras. Non, je passe. Ok, Wilco, Sweden. Ah, pardon, c'était là. Mystery. Viens avec moi, s'il vous plaît. Sur Haku. Bah, vas-y, si tu peux pas dire lui. Okay, bon, je sais pas, y'a que Wallet qui parle. Justement, on va déjà commencer par ça. Et il arrête du côté de Sierra, on a perdu Setch. T'as perdu quelqu'un toi soudain ou pas? L'émotion. La vieille. Ouais, c'est l'émotion. Perdu la vieille, ok. Et sinon, bien, apparemment, en fait. Whisky, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Ils se sont fait prendre à partie. Et j'ai réussi à avoir Snake Sheet qui était alors au nord de C, dans cette zone là. Quelque part, par ici, mais là ça fait quelques minutes qu'ils me parlent plus. Ils étaient deux survivants et là j'ai plus aucune réponse donc je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, peut-être, je sais pas si c'est à cause de la radio ou autre chose. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est que là on se retrouve actuellement dans la zone A sur ce bâtiment. Il va falloir manier en CQB, remonter sur B jusqu'à C, jusqu'à cet angle ici. À partir de ce moment là, on dégagera sur l'aéroport. C'est reçu. Est-ce que le mortier est opérable ou pas? Elle est là, juste là on est à 50 mètres, 100 mètres. Ah, j'aurais dit qu'elle elle est pas là. J'aurais dit qu'elle non, était là. Elle est par là. Ok, est-ce que tu peux envoyer des hommes vérifier qu'elle est opérable et la transporter si jamais. Une petite morphine. Transport. C'est parti pour 15 minutes. Merci. Ouais, bah je te dis ça du bon moment. Jeanne, okay. Mystery. Pendant ce temps là. Donc, Sabre. Non, t'as rien du tout là. T'as rien? Jeanne. Ah non, c'est bon. Bon, pour l'instant tu vas. Je vais regarder à quoi à ce moment-là. Wilco. Oui. Ton équipe n'est pas la mieux équipée pour ça, je sais. Putain, la morphine, mais de faire effet. Vous pouvez à la limite arriver à choper à choper les positions dans ce coin-là et à un visu sur ce qu'il peut y avoir dans la rue et le reste de la zone B, ce serait pas mal. Je la prendrai au moment où on repartira. Ouais, t'as vu le point que je t'ai mis ou pas? Valrid. En gros, c'est toi qui fais un état de ton matériel. Dans ces eaux-là, si c'est safe ou ici te planquer quoi. Et arriver à choper un visu sur ce qu'il y a dans la sur la route. Attaque, il me reste 29 grenades donc c'est bon. De vivant dans la zone B. Mystery. Ok. Je vais chercher. Allez, je Mystery. Attention. Ouais. On a besoin de toi dans la grange encore. T'es opérationnel ouais, c'est bon. Follow me. Deux grenades. Qu'est-ce qui se passe? Larzen est pas content. Je sais pas, c'est Sweden qui t'a appelé. Yes, medic. Ok, est-ce que quelqu'un a besoin de munitions? J'entends très mal, Sweden. Yes, medic, tu peux me patcher s'il te plaît? Yes, je te recouvre. À tous sauf Mystery, on se rejoint au nord-est de la grange. En passant par l'intérieur. Moi je suis quelqu'un besoin de munitions ici. Je tire nord-est. Moi je suis bon en munitions. T'as entendu munitions, il faut des munitions par ici. Ok, voilà. Donc ça, bon, vous êtes cool. Ouais. Ultra cool. Ouais, c'est bon. Ok, Froggy. Zarnak, t'es bon en munitions. T'es toujours en bleu, je vais me foutre en bleu aussi. Ah, Froggy, t'es rouge. Rouge, tant pour moi. Ok, Waldrid. Je tire nord-est. Voilà, du bateau, c'est ça. Froggy. Oui, il est pas dans le coin. Pardon, mes ordures. Froggy, tu nous rejoins, on est à la caisse d'équipement. Soudain, d'ailleurs, tu pourras dire à coup de prendre des explosifs supplémentaires dans la caisse s'il y en a besoin. Ah, c'est où, Froggy? Et s'il y a de la place. Thomas, il arrive. Entendu, il arrive. À coup ouais, bah. Ouais, ouais. Yep. Est-ce que t'es bon au niveau munitions et santé, Froggy? Arnaque ouais, tout va bien. Arnaque. Ok, messieurs, la suite du plan. Ouvrez vos cartes. Arnaque. Carte. Barnac. Donc. Ouais. Est-ce que tu as combien de poids là? 35. Donc. Oh, putain, ouais d'accord, ok. Bon. On est sur le point A, comme vous voyez, on va aller vérifier la zone de mortier qui est juste ici là. Oui, de l'autre côté de la route à l'ouest. Ouais, je crois même qu'elle est. On a le reste de l'équipe
Ouais, ouais, donc quoi. On a le reste des hommes qui vont, okay, qui vont suivre la route et continuer à nettoyer la ville de Grishno. Et pour aller chercher les survivants de Whisky qui seraient sur Whisky, C. Est-ce que voilà. Tu m'entends? Ok. Normalement, et je pense qu'il y a un contact encore par ici. On est tout seul alors. Comment? On est tout seul alors. Bah, la façon, on va juste vérifier le mortier, puis on va rejoindre les autres là. On a 50 mètres à faire. Et on va y aller maintenant. Allez, Bleu, tu ouvres. Ok, d'accord. Derrière toi, à coup. Parti. Et Wilco de random. Ça tire au nord-est. Hein. Ouais. Oh, il y a une garde de coups en face. Sur le bâtiment. Allez, les couverts, contact proche. Ah, c'est au 270 à peu près. Ça va pas durer longtemps. Hein. Font chier. Ils doivent être dans la forêt en face. Frag. Non. Plus proche, plus sur la gauche. Merde, ok. Attention au shrapnel là. C'est bon là, je suis à couvert hein, pour le moment. On va se reculer sur le flanc gauche, sur le droit. Ok. Ouais. On se remet sur la route. Hein. T'es rentré dans cette merde là? Ouais. Nickel. Apparemment ça tire plus. Non, je rentre dedans. Okay. Ouais, Bleu là, on se décale sur la droite pour avoir un visuel. Là. On sera sur la maison juste à droite. Ok. On est bien à l'intérieur là. On est bien. Je tombe toujours comme une merde, mais on est bien. Oula! Waouh! C'était vous ça? Ah, c'est eux, c'est eux. Ouais, je confirme, mauvais lancé. Il y a encore un mec qui traîne là. Ouais. 260. Elle est derrière le sapin, je crois. Hein. 260 à peu près. Attention au frag. Vas-y. Ah, je vais en balancer une là où je pense aussi. Bon. Ok. C'est bon. On l'a calmé. Ouais, je crois qu'il est... Ok, Bleu, ce serait propre. Allez sur le mortier. Et allez, go. Allez. Go. Il y a des corps sur le mortier, faites gaffe. C'est bon. C'est bon, c'est clean. On va essayer de les récupérer, les gars, le mortier. On va le désassembler et il y en a un qui va drop son sac et essayer de le récupérer. Veldrid ? Ouais, je m'en occupe. Ok. Je peux prendre le second sac. J'ai pas l'option de démonter, normal. Ace. Ouais. Ace, ouais. Ouais, menu S sur le portier, j'ai traîné, porté ou chargé. Ah, c'est un vanilla ça. Pas autre chose. Bon ben... Je vais le prendre apparemment. Ah, restez en position de défense là, okay, okay. J'aime pas trop être comme ça. Bon. Je vois si je peux pas le... enlever. Pas 10 ans mortard, boum, hop. Oh, t'as, t'as pu ? Aucune option bête. Ok, tu veux prendre le zoom. Ok. Attends. Froggy, là, on va retourner sur nos traces. Ah, j'ai déjà un sac, moi. J'ai les, okay. J'ai les grenades dedans. Tu lâches ton sac. Donne-en aux autres, fais un petit... Mets ton sac par terre, je vais récupérer des grenades après. Et je mets juste derrière toi, je le mets. Ouais. Ah c'est bon, je te l'ai posé. Deux sabres, on a récupéré une mortier, et on récupéré. Retourne sur le pont alpha. Serre-toi à coup, hein, prends les grenades. Ouais ouais, je me planque, j'en prends. Quoi? Non, pas ça. De la place, moi encore. On prend quelques-unes, quand même. Je pense, ouais.
Darle, ouais, c'est bon, on les a sur le dos, on retourne. Y'a rien dans ton sac. Sac de mortier, il est vide, ouais. Y'a rien dans mon sac? Ouais. Ouais. Si, y'a plein de grenades. Ouais. Ah, mais je peux pas les prendre. Franchis. Allez. C'est bien sûr. Allez, casse-toi. Le loup, j'ai le sac du mortier, ça fiche vide. Le mortier, c'est normal, c'est toujours vide les trucs d'armes. Ah, ok. Allez, les gars, on va pas attendre 2 ans là. Allez, hop, j'ai pris ce que je pouvais. Ok, on se barre sur le point B. On rejoint le reste des hommes sur le point B. Go. Donc, du coup, t'as plus qu'un grenadier. Hein. Pourquoi? Mais non, t'as encore ton arme. J'en ai plus, moi. Bah, je te refilerai des grenades. Ouais, mais j'en ai plus, moi. Mais je te refilerai, t'inquiète. J'en ai pris plein. Hey. Au pire, on prendra un RPG avec un avec des frags. Bah, on a qu'à avancer en premier. Allez, ouvrons, j'ouvre la voie, on va sur B. Ok. Bon, ça tire devant là. Attention, il y a des alliés peut-être. Hein. Progresser à droite bleu, on va faire une petite. Ok. Droite de la route. Tu tapes un sprint pour traverser une route, t'es crevé. C'est ça quand on prend 35 kilos. 35 plus, je crois. Ouais, ah, il y a le copain devant, faites gaffe. Il y a le copain à droite de la route. Ami. Devant. Petite pause avant d'y arriver parce que je suis complètement crevé. J'avance juste un tout petit peu jusqu'à la maison en brique. Les potes devant à droite de la route. On a un peu changé de ça dans le coup mortier. De toute façon, normalement, ils sont déjà passés par là. Ami, vaut mieux que tu continues à longer la route, je fais un petit peu le côté gauche. Ouais, c'est reçu. Allez, tout le monde, on recolle avec les copains. Celui qui porte un bout du mortier et qui est le plus lourd, il me le donne, je peux le porter. Tiens, de l'autre côté d'une grande maison blanche. Ouais, c'est moi, mais ça va, je suis à 31. Ouais, ok. Ah, j'étais à 46. Ah bah là, je suis à 46, génial. Oh putain. Ah bah avec le latté, c'est... Ouais, tu peux me vérifier, j'ai des tremblements encore. Tu veux faire quelque chose? C'est le stress, chef. Non, c'est bon. On a aux fesses, ça. On est sur le point B, Froggy, ça, je peux voir. Ok, Sweden. Écoute. Pour la suite, ce que tu veux faire. Ouais. C'est que tu vas nous manger la position B. Chef, j'ai fait le contact radio avec des éléments alliés. Au côté ouest de la ville, en fait. Attends, j'ai une com. J'ai un de mes hommes qui aurait une. Contact allié avec Whisky. Sur la courte portée, sur la fréquence, j'ai réussi à les capter depuis ma position. Sur la fréquence. Bouge pas, ah, trop tard. Pardon, j'essaie de les contacter. Sur la fréquence. Ok, essaie de les contacter, demande-leur leur position, leur statut. Position et statut, Whisky. Je suis en train de demander. Valril ? Ouais. Si t'as de la place dans ta veste, prends quelques grenades dans mon sac. Reçu. Okay. Reçu, je transmets. Commandement, enfin, chef Sweden, vous avez reçu. Où alors? Moi, je t'en ai pris 6, ça va? Ok, ah, répète, Froggy. Okay. Bon. Sweden. Ouais, c'est parfait. J'ai reçu, maintenez silence, radio 2 secondes. Sweden, t'as reçu? Négatif, est-ce que tu peux répéter? Ok, leur position est dans la forêt au nord-est du croisement sur le point C. Ils sont deux, mais ils sont tous les deux blessés et présence ennemie potentiellement autour d'eux.
dans la merde, quoi. Ok, c'est bien pris, j'informe le commandant. Ok, alors... Le commandement est en train d'être informé de votre situation, ici, patientez. La petite forêt, là, qui est juste au-dessus. Ouais, ouais. Bah il serait là, sauf qu'il y aurait des ennemis autour de lui. Il y a deux survivants de whisky. Ok, tes hommes sont où? On est là. On est devant. Sweden, j'ai aussi une position mortier ennemi plus loin sur la route, avec des cadavres ennemis autour. Tu vas prendre l'église. Ok, patiente. Choper l'église avant un visuel sur eux, ok. Voilà. Essaye de les contacter en progressant vers eux, ils sont sur canal 3, la 343, c'est là-dessus qu'ils me parlaient avant. Attends, peut-être qu'on se casse la tête avec les mortiers pour rien finalement si on est là-bas. Allez, bon courage. Ok, sur moi les gars. Froggy, indique-moi ta position précise dans la ville. Attends. Ouvrez vos cartes les gars, ouvrez vos cartes. C'est bon, on aurait retrouvé des... Je pense que je suis sur la maison à l'extrémité est, ouest. On est bien pris, rejoins-nous sur l'abribus, l'icône d'abribus là, juste au-dessus du point B. Ok, Whisky, on va perdre la communication radio, tenez bon, on arrive. Tu peux en transmettre qu'on va les rejoindre là. Ouais. Tu peux en transmettre qu'on va les rejoindre. Le sable, je pense. Ok, on part plein sud, plein nord. Ouais. On suit la route. Ouais. Non, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. On suit la route là, ici, hop, on va sur l'église. Mm-hmm. On vérifie qu'on peut directement sauver les copains. Et vérifie la présence d'ennemis. Ok. Okay. L'objectif, c'est d'aller aider les copains. Sachant qu'il y a un mortier là-bas, on peut pas lâcher le sac là. C'est un de vous quel sac là actuellement? Oui, c'est moi qui l'ai. On va leur laisser à l'équipe ici. On va pas s'en. Vu qu'il y en a un autre là-bas. Les ennemis sont presque à côté du mortier. Hein. Ils sont dans un trou là-bas. Alors le mortier, il est où? Tu me dis sur la carte. On le voit là. Ah, la douleur qui revient. Chier. Bon. Après, à partir quand tu veux. Sur la route. C'est peut-être une mitrailleuse. Ah. Pas sûr. Est-ce qu'on peut vous laisser un mortier leader pour déplacer, Bon, c'est pas super sécur, hein, je me colle un bâtiment. Hein. Bon, tant pis pour le mortier, on le garde. Froggy avec moi, tu nous indiques le chemin, on va sur l'église et ensuite on chope les copains. D'accord. Allez, hop. Partie l'église qui est légèrement sur notre droite. En gros, on prend la première route à droite et on la suit. C'est ça. C'est bon, Froggy? Vous suivez. Et bleu, vous suivez, pardon. Mmh. C'est bon, t'as entendu? Ouais. Ok. C'est parti. Tu veux qu'on ouvre bleu? On va... Allez, ouais, ouvrez, c'est plus simple. Ah non, pardon, c'était à moi d'ouvrir. Ouais. Tant pis. C'est trop tard. Pas grave, Froggy. Étant donné que les copains auraient soi-disant des contacts, on fait bien gaffe. Ouais. Il y avait des contacts sur l'église, donc... Ouais. Tu veux qu'on suive la route stricte ou on coupe, là? On coupe. Ouais, ok. Là, je vais être claqué, là, déjà. Je suis seul. On fait safe les gars, on fait ultra safe, je veux perdre personne. Ok, je me repose. À peu près. Ouais, on va éviter les grenades là. Hop, parce qu'il y a les copains à côté. Ils tirent sur les alliés, hein, pas sur nous. Ah ouais, ça se trouve, ils tirent pas sur nous. Non, c'est pas sur nous. Ok, en ligne, doucement. Bleu à gauche, rouge à droite. Limite une grenade sur le mur qui nous fait face de l'église, hein. Ouais. Ça tire, ça pourrait tuer les mecs qui sont de l'autre côté du muret. Ouais. On va s'avancer, on le fera ensuite. Non, mais c'est pas sur l'église qui sont les mecs, c'est au 60. Non, mais s'il y en a de à l'église aussi. En ligne. Prêt. Ouais. Allez. On marche et on les chope. On marche. Je prends l'extrémité gauche. T'aurais dû être à droite, mais c'est pas grave. Tant qu'on est en ligne, c'est déjà bien.
J'entends pas, hein. Il faut qu'il parle à la radio. Ah, bon. Je suis sur la radio, c'est qui est bizarre. Attention, juste en face. Vous. Allez, la grenade. Ouais, que les copains s'approchent. Grenade. À main. Frog est touché, je recule. Ok, vas-y. Il est très Frag. Proche, très très proche. Frag. Allez-y, les gars. Il va me falloir un médic. Je l'ai vu avant qu'il me descende. Enfin, me descende. On se comprend. Je vais au niveau des arbres en arrière. Attends. Ok, mystérie, à coup. Ouais. Relève-toi. Comme ça, s'il y en a un, on l'aura. Je peux rusher sur la cabane qui est en face de moi là. Ouais. 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 Ok, je rush. T'es bien blessé, Froggy, là, t'as besoin de médecin? Une balle dans la tête, sinon plus. Ouh, je suis là. Oh! Soignez-moi, arrêtez. T'approches ça. Ouais. Bon, bah la grenade a eu les trois. Parfait, nickel. Rejoins-nous, Froggy, on arrive sur l'église. Oui. Ok. Ah, attendez avant de pénétrer dans l'église. Ouais, 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 c'est clair. Vérifie qu'ils sont morts quand même un coup. Y'a des alliés derrière, vous dites? Non. Eh ben vous me balancez une grenade par-dessus enceinte. Bah je suis pas sûr hein, j'en sais rien moi. Eh ils étaient 3, les Yonk. Ouais ils sont bien morts Veldrid. Ah ça m'étonnerait qu'ils étaient 3, le mitrailleur je l'avais eu avant celui-là, je m'en rappelle. Si vous avez des frags... Ou pas bah j'en ai. J'ai que des smokes. Ouais on peut... Dans la cour. Je peux me lancer une frag. De l'autre côté du mur là. Ouais balançons une. Écartez-vous, calme de soucis. Ok, frag. Je crois qu'il y en a un qui a pris des shrapnels. J'en balance une aussi. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Bon, je passe en avant. Pas encore, on a essuyé des contacts. On va essayer de la recontacter maintenant. Attends, je vais passer de l'autre côté. Putain de douleur, de merde. Ok, j'ouvre à gauche. Et à gauche, c'est clear. Hein. Ok, clear. Droite. Et on y va. De douleur de merde. Ok. Derrière l'église, clear. Ok, on se retrouve au niveau de la fontaine là, sur la face est. Ouest. Oh putain, j'ai eu peur. C'est un puits, tant pour moi. Oh, j'ai eu peur. Oh, comme j'ai eu peur, ok, folie. Good. Des petits verres de russe, des fois. Oh putain, j'ai eu peur. Froggy, tu as essayé de me les recontacter, le whisky? Ah bah... Whisky, on vous reçoit. Ah, oh putain, la magie des technologies. Votre position, whisky? Normalement, ils sont dans... Clairement, 190. Ils sont normalement 340, hein. Proche. 340? On se trouve en position 61-47. 61-47. Ouais, ils sont dans la forêt quoi. Ouais, c'est reçu. Bah, on est à l'église, on va essayer de venir vous. Ils peuvent pas venir. Vous chercher pour en fond neutraliser des mecs sur l'église. Ils ont encore des ennemis. Après, ils sont mis en lisière de forêt, à l'est de la forêt. Et en temps d'église. Parce que vous voyez mieux qu'ils viennent ici sinon. Hein. Et plutôt vers le sud de la forêt, pas vers l'est. C'est plus logique, ouais. Si c'était les ennemis. Ouais, patientez, whisky, patientez. Sergent, vous avez eu contact avec whisky. Eh bien là-bas, je me suis pris une balle de la joue ou quoi, moi. Valerie garde plutôt l'autre côté, Foggy il check déjà à droite. Ok, Whisky, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? On a sécurisé, on est en train de vous couvrir, si vous pouvez nous rejoindre plein sud, à l'église. Je pense, oui, c'est des alliés qui sont de la route au sud-ouest. Ouais. Sinon, on... quelqu'un a une fumée verte? Il vaut de la maison verte. Patientez, je confirme. Répétez bien. On a des alliés de la ville normalement. Ouais. Bien, je compte un vis alliés plus là. Ils ont vert, il y a de fortes chances que ce soit allié, vu qu'on a tout nettoyé. Notre équipe, je pense. Oui, ce sont des alliés, vous pouvez y aller.
Ok, c'est bon, je peux confirmer que vous êtes proche d'une maison verte. Ouais, c'est bien pris. Tu vas gagner des soldats, Swedel. Allez, à votre tour, whisky, point d'enjambe. Tu disais... Tu vas gagner des soldats. On arrive. J'aimerais plutôt gagner de l'oliprane. On peut se déplacer sur le mur de l'autre côté de la route, sur le muret, pour les couvrir. Ouais. Ok. Valerine ? Ah, ils arrivent là, ils arrivent. Allez, venez les gars, venez. Salut Whisky. Oh putain. Ah, la civilisation. Allez tout le monde, on retourne dans l'enceinte de l'église. La médic ? Non. Deux sabres, on a recoupé. Non, on a un cadavre de médic dans la forêt. On va venir vous chercher. Il y a un cadavre de médic russe à l'entrée de l'église. On va rentrer. Ok, on va rejoindre le reste de l'escouade. On va passer par là où vous êtes arrivé en fait. On va passer par la route là, direct au nord-ouest. Ok, j'ouvre. On retourne au nord-ouest les gars, Whisky, par à peu près l'endroit où vous êtes arrivé. Hein. Les alliés sont juste à côté au croisement. Ok. Bleu, on ouvre. Ah, la radio, il t'en va pas, je crois. Bah, il est juste à côté de moi, non ? Ah oui, il est là, le chef. Ok, on y va, c'est parti. Allez, messieurs. Allez, bleu, on ouvre. Pas besoin de soins. Parfait. Ouais, je comprends, ouais. J'ai un carreau pour droite. Ouais, j'ai un carreau, c'est chaud. Ah, bon, ça a été. Ça fait chaud, Oh putain, ça fait mal. Tu couvres les fesses de nos invités, Froggy ? Ouais. Il y a des copains sur le flanc droit là. Ouais. De ça, on arrive les cartes de la zone ici. Ouais, c'est les copains à droite. Chef, l'objectif c'est B ? Non. On reste sur celle-là, on reste ici là, il y a le commandement ici. Ouais. Revenez sur le mortier au croisement. Ouais. Je vacille. Question. Qui est Mystery et occupe-toi des blessés. Qui est blessé ? Mystery, Polypro et Snake Shift. Non, il n'y a pas d'Olypro en premier, il a deux bras. Ceux qui sont pas blessés, venez sur une couverture pour le flanc nord. Ouais, ok. Qu'est-ce que t'as de beau toi ? T'as pas une montre en or ? Ah merde. Ouais, que de l'anti-char. Oh putain. C'est bien bourrin ça. Une petite cause, ça fait pas de mal. Garde une petite morphine pour plus tard. Je fais bien. De toute façon, toutes mes toutes mes stats sont ouverts, donc je risque pas de me flinguer, je pense. J'espère. Ça sert à rien d'avoir. Qu'est-ce que c'est que cette conne? Ce chef de section. Ouais. Ah. Ça fait du bien. C'est vrai que le mec vient de se branler. C'est un peu ça finalement. Et quand tu regardes métaphoriquement. Ouais, un petit peu, ouais. Tu vis d'un gros canon. Tu entends. Ouais, on sait. Statistiquement, on est ceux qui ont eu le moins de morts. Une mort conne. Pas vraiment de notre faute, hein, finalement.
Ah ouais, non, mais pour l'instant, ça va. Genre, par contre, j'en connais un qui doit être dégoûté. Hein. Ouais, grave, pauvre la vieille. Allez, on recule, on retourne avec les copains. Ça va, je suis discord. Si tu cherches Waldrig, il est rentré dans la maison. Oh, quoi? Mais, genre, passe muraille quoi. Sors de là, Waldrig. Il est couché et il est dedans, quelque part. Imbriqué. Oh putain. Il a traversé le béton là sous mes yeux. Ferré? Yes. Il y en a aussi un, ce cadavre à ma droite. Eh, hey, regarde, Mystery, je fais joujou avec de la morphine. Rejoignez-moi au niveau du mortier, là, on a un peu dessus. Hop. Quoi? Voilà, je me suis mis une petite morphine moi-même. Ah. On peut se marcher dessus, on va s'écarter un peu. Là. Il y a Sierra qui arrive, on va éviter de se marcher dessus, là, on est au niveau du mortier. Non, non, Sierra va pas arriver. Sur le mur, ouais, je t'écoute. Jamais. Et non. Et quand je parle de morphine, je parle de... Je te le ramène après, il est indispensable. Ok, ok. Je parle de morphine russe. Morphine coupée à la vodka. Comment ça? Il m'a eu dans la tête quand même, le bus. Il m'a mis KO pendant 10 secondes. Eden? Mm-hmm. Et que t'es prêt à partir, tu me l'as dit. Du coup, Whisky, ils font une escouade à part, c'est ça? Tu les récupères. Ah, c'est pas morphine là. Tu les récupères temporairement, on verra. On a Olipro et Snake Sheet, c'est ça? Ouais. Gardera Snake Sheet, Olipro ira chez. Chez le cadavre d'un allié en visu, peut-être qu'on peut aller récupérer les trucs si. Je sais pas ce que prend maintenant, ça se paie là-bas. Ils ont perdu leur leader et leur médic. Qu'est-ce qu'il y a? Je le prends maintenant, Snake Sheet. Ouais, Snake Sheet, tu le récupères, je me garde Olipro, ok? Ça marche. Mystery, ouais, patientez les gars. Oui. Ouais. Former une équipe. Tu passeras avec Sweden, Olipro, tu restes avec moi. Ok. Vous êtes prêt à partir ou pas là? Eh bien, Snake, rejoins-nous, on est bien. Non, tu t'es baissé. Eh, je vous mets une morphine. Eh, Mystery, tu manques de matos ou c'était bon? Je vais aller. Tu vas rejoindre Rouge, hein. Tu vas être avec Froggy. Je vais aller dans la forêt sur Doudou. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Il faut venir, mais ça. Je vais suivre le reste de l'équipe, non? Je sais pas moi si on va aller sur Doudou. Mystery, tu restes avec moi, Mystery Olipro. Viens avec moi, c'est parti. Ah, j'ai plus mal. Ok, surveillez-moi, je vais au nord-est, je reviens. Tu donnes? Ok, allez, écoute. T'es où tu vas ou pas? Non. Vas-y, okay. Je t'écoute. On a l'autre équipe qui est partie au niveau du croisement entre D15 et N4 au nord-est. Et jaloux. Attends, répète-moi ça. L'autre équipe qui est partie entre D15 et N4. Tu m'entends ou pas, Suzanne? Oui, je t'entends. Votre équipe est partie au croisement entre D15 et N4, on va aller les rejoindre là-bas. Ok, bon, on ouvre la voie. Et c'est parti. Il y a encore une N149 parmi vous, ok, le téléchargeur. Ok, monsieur, on rejoint le reste de l'équipe entre D15 et N4, pour ceux qui n'ont pas entendu. Bien, forêt. Bleu, on ouvre. Bleu, vous ouvrez. Rouge derrière, et je serai entre vous. Allez, c'est parti. Go. Et Valdrid, toujours pas là? Semblerait que non. Ok. Semblerait que non. Soden, si tu fatigues trop et que t'as besoin de quelqu'un pour prendre le relais, n'hésite pas. Ça marche, merci. Finalement, t'as gagné un homme, mais t'as perdu Waldrig. C'est ça. Déjà, je balise maintenant, j'arrête pas de lui envoyer des ordres, ne pas tirer. De toute façon, il est coincé dans une maison là. En fait, quelqu'un a revu le BTR qui se balade dans la zone. Non. Pas pour moi.
tué. Il a peut être à l'aéroport. Hein. Ouais, ou il s'est crevé les pneus sur un rocher. Espérons. Falloir faire une halte. Ok, bah, je m'arrête dans les. Halte demain, non. Dans les buissons là. Sweden, est-ce que je peux jeter les chargeurs de 249 ou quelqu'un en a besoin? On n'a pas de mitrailleur dans tes squads, donc faisons ce que tu veux. On n'a pas de l'autre squad? Il y a 240 qui me semble dans notre squad. Je vais demander, c'est bien des M249 que tu as? 556, M149, chargeur de 200 balles. J'ai 3 chargeurs. Prioritaire, okay, contact de 160, ils investissent la ville et toute une patrouille, et une sacrée patrouille. Allongez-vous, je transmets. Allongez-vous tous, je transmets. Ils sont loin, ils sont loin, ils vont pas nous voir. Ils sont presque bien à découvert là. Si nos alliés sont encore dans la ville, c'est dangereux. Tireur M249 qui a besoin de munitions. Hop. Faisons ce que tu veux de tes munitions, c'est un chien pour moi. Et Olipro. Ouais. Les mecs avec M249 dans les squads. Olipro, tu me suis? Ouais. Ouais, ah la vache, là on a une opportunité en ours pour faire un tir sur ces mecs. Hein. Ils sont tous à découvert. T'as combien toi Froggy? Je crois qu'on se casse là en fait. T'as combien de kilos toi Froggy? 34. Et bon, je reste avec mes 3 chargeurs pour l'instant. Pas l'envie qu'il manque là, mais. Bah, si on peut se casser, franchement. Ça va l'écoute. Ouais, le chef, c'est le chef. Ah, c'est bien pris. Écoutez, si vous avez des munitions en rab et que vous êtes sûr de votre coup, à quelle distance là, vous pouvez ouvrir le feu. Attends, je charge là. Ah bah maintenant c'est un peu dommage quoi. Ouais, non, là je pense pas que ça va aller. Ouais. Maintenant plus. Ça rend pas trop. Enfin, quoique là ils sont encore à découvert à droite. Si on se décale sur la gauche, on a plus de couvert et plus de visu. Eh, franchement, je pense qu'on perd notre temps et on se fatigue pas. Ouais. Rien, je pense aussi. C'est loin. Allez, on prend la route. Ok, on est parti. Rouge, ouvrez cette fois. Ok. Un bon ennemi est un ennemi mort. Vas-y, Froggy. Je suis pas d'accord, mais bon. Moi, j'aimerais bien me barrer j'aimerais bien me barrer d'ici, quoi. Froggy. Pareil. Si on peut prendre l'aéroport, est-ce qu'il assez vite fait, bien fait. Nous, on vous a attendu dans un petit forêt, donc. Fuir, ça me plaît. De ça pour rejoindre sur le point N4. En fait, j'ai nargué Mystery, je me suis injecté une morphine, mais depuis tout à l'heure j'ai le cœur qui bat comme un con maintenant. Ah, ça vient de s'arrêter. Suffisait de le dire, c'est comme le hockey. Ah. Ah bah tiens, ça tire derrière maintenant. Ah, c'est Wendry, tu vois. Ouais, je sais pas ce qu'ils font. Ah ouais, peut-être. Salut Wendry. Il y a de sa vie pour nous. Négatif, on les entend, mais c'est pas nous qui sommes visés. Souffler là, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ah, c'est derrière les bottes de foin là.
bad avec ses 50 M136. Quoi? Ah, je sais pas, c'est Froggy. Avec ses, tous ses M136. À la limite, il aurait pu trouver ses M136 contre des RPG, hein, ça l'aurait allégé. Ouais, grave. Surtout que c'est un usage unique, donc ça se recharge pas. Ça l'aurait allégé. Il aurait eu un tube et des petites roquettes. Plutôt que d'avoir deux gros tubes chargés. On y va, les gars? Mais t'as des roquettes de M136, Rolly? Non, j'ai un M136 plié en 4 dans mon sac. T'es penché, Sweden, tu me fais de la peine. Tu veux là? Non. Ça, je suis penché. T'es penché sur le côté. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, mais ça devait te faire mal, hein, je pense. C'est pour toi que je dis ça. Hein. Oh, y'a de la grosse, ça explose. Y'a encore du monde à nous derrière? Je sais pas ce qu'ils font. C'est le... Ah, je viens de comprendre, c'est Weldred. Ouais, mais attends. Ah oui, il a un lance-grenade, Weldred. De ça, je crois, va identifier la cause de l'affrontement au Quai Coral dans la ville. Weldred qui maintient nos arrières. C'est Weldred le passe-muraille. Weldred le brave. Enfin, Weldred le tueur d'alliés. Entre nous. Je suis sûr que c'est lui. Ok. Tu vas me lâcher à Sweden ton bout de mortier, tu vas le passer à Wilco. Ah bah ça tombe mal, c'est Weldred qui l'avait. Non ? Oh putain, c'est qui me bat ? C'est moi, c'est Weldred qui a des M249 dans ton escouade. Alors. Oh, ouais, c'est Weldred. Ok, qui avait bon bah on va essayer. Il fait une résistance farouche, il est rouge. Je peux larguer mes chargeurs, ça tu sais. Toute l'armée russe. Bah c'est un peu dommage. Moi j'ai. Warzen, t'as une 240. Wilco ! Wilco, on va pas rester stacké là, tu vas bouger. Ok, 165. Ouais, tu peux larguer tes munitions. Je te donne, tu passes le mortier. On l'a pas, on l'a pas, on a plus de mortier, on laisse tomber, c'est pas grave. Mais Wilco, il fait quoi là en fait? J'ai pas. Il a déco, il a déco. Allez, Wilco, tu pars sur le point. À droite, ça va. Et ça. C'est bon? Ah, je suis plus. Axe 1. Pardon. Hmm. J'ai jeté mes chargeurs de mitrailleuse. Ok. Moi aussi, quand je vais balancer plein de grenades, je serai plus léger. Et bah, tu vas pouvoir la traiter sur le chemin si tu veux. J'ai des chargeurs de M4 d'ailleurs. Et bah, c'est bien. Je suis bon là. Les 27, c'est bon. Hein. La 27 ? Non, je plaisante, j'en ai que 15. Non, il me reste plus que 11 points quoi. Ouais, visu. Ouais, ça, on est dispo là pour les ordres. Ok, Wilco, tu vas quand même avancer, tu les traites sur le chemin si tu peux. Ok. On a Sabre qui va se positionner pas loin derrière toi, au niveau des rochers justement, route, derrière Axel. Tu vas revenir à la marche, on suit le chemin là, vers N3. De N3, après on prendra dans okay, la route un plein ouest vers Par carte. Roger. On a Wilco qui va se positionner sur Axe 1 ici. Pour après taper sur S4 au bout de piste, bon, toi tu vas te placer un peu au nord-est d'axe 2. Ça marche. Fais gaffe, on a des ennemis repérés dans cette zone. On y va. Ils sont à traiter sur le chemin. On y va, Marnum. D'accord, on arrive dessus là, vous voulez rester longtemps. Il y a une patrouille qui descend la route là-bas sur l'ouest. Allongez-vous, les gars. Allongez-vous, prenez une position de tir. Oh oui, ils seront parfaitement à découvert là. Ok, très bien, vous les traitez des. Ça déplace pas à gauche, Froggy. Ouais, bougez pas. Aussi, je suis très bien où je suis. Vous attendez qu'on ait la visuelle. On pourrait savoir combien ils sont. C'est ce que j'aimerais savoir. Pour le moment, il y en a 4. Wilco. Le troisième. La patrouille sur la route à l'ouest là va être engagée par Sam. Je peux balancer une greu? Attendez. Ouh, il y a du monde. Cinquième homme, on attend. Il y en a peut-être plus. Hein. Il y a un sixième qui arrive. Non. On est à 5 là pour le moment.
Où sont les alliés? On a 6 hommes. Les alliés sont juste à gauche là. On attend 30 ans, on aura plus de premier. Non, ils sont sur la droite les alliés. Il faut tirer dans les 20 prochaines secondes. Hein. Sinon ça va être dangereux pour nous. Okay. Encore d'autres qui arrivent. Il y a 7 hommes. Maintenant, feu à volonté. Ok. Personne ne se relève. Voilà. Une dernière pour la forme. J'ai mal, moi. Parce que t'es faible. Beau bouquet, Sweden, en mouvement d'équipe. Tout le monde frétille encore chez nous, là, c'est bon? Ouais. Allez, vous vérifiez vos chargeurs et on va se... Douleur sans raison, mais sinon ça va. Ah oui, la morphine. Ouais. Ouais. On est opérationnel, c'est bon? Oui. Allez, rouge, go. C'est parti. Je vais rester collé avec vous, Sweden. Ça marche. Allez, on y va. Elle était propre cet engagement, c'est plutôt cool. Ouais, un peu court les grenades, dommage. En même temps, ils étaient un peu trop loin, non? Non, j'étais à 200 mètres. Bien pris, continue comme ça. Continue comme ça, j'adore ce que tu fais. Putain, si t'as fait des kilomètres avec des le. Avec des loups de 35 kilos. Ouais, surtout avec des bouts de mortier pour rien. Hein. Weldry n'est pas encore mort, hein, je crois. Non. Il fait la guerre tout seul et tout quoi. Sérieux. Le mec c'est dans les larmes du soleil, il retient toute l'armée à lui tout seul. Grave. Tant le gêne, je crois. Surtout qu'il est imbriqué dans une maison, donc ça aide pour le couvert, quoi. Ouais. Trouver tire tous les deux sur le mur, y'a rien qui se passe. Putain de Wallach, no clip. Voilà. Il était pas mort. Hein. Putain, j'ai envie de prendre la TA là, franchement. Bah, je sais pas, ça vaut le coup, hein. Ouais. T'en as déjà un. Hein. Ouais, moi j'ai pas rechargeable. Ça t'est pas pesé trop lourd, vas-y. Toujours vérifier. Yolo. Le mec il aurait pu se relever. Non, ah, tu te rappelles, Froggy? Tu te souviens, Froggy, le mec qui s'était relevé? Tu m'entends pas, Froggy? Il est sourd. Il est good. Ouais, il mort, lui. Ouais. Il me fait la gueule, c'est ça. Froggy? Froggy? Froggy. On va un peu au nord maintenant. Ouais, enfin, moi je veux me reposer. Eh bien, on fait une pause avant de traverser maintenant. Le héros s'est éteint. Tu te rappelles pas dans Thunderstorm 5 le mec là? Hmm? Le mec qui s'était réveillé alors qu'on était en train de... Oh là là, si. Au tout début, ouais. Excellent. Putain. Comment se faire prendre pour un ennemi? C'est ça. En une leçon. C'est ça. Comment ça? Allez, vous êtes prêts? Oh, RPG, ouais. Ouais.
Ouais. On avance. Allez, on traverse. Go. Pour moi. Désolé. Vas-y. Je t'excuse. Ouais, je commence à fatiguer. Moi aussi. Non, toi t'es pas loin. C'est mal. Je préfère le tir par avance, mais celui ou celle qui prendra le véhicule, s'il nous crash, je viendrai le hanter personnellement pendant les 12 prochaines années. En fait, ça va être moi, je pense. Je manquais de compagnie. Allez, on stabilise ici. Ouais, prévenez bien tout le monde qu'on est passé au RPG, sinon... Je t'écoute, Sierra. Sinon, ça va faire mal, je le sens. Affirmatif. Tu me préviendras avant le combat, Swin. Je passerai un petit peu de morphine. Je suis pas vraiment en peur. Ok, Sierra, ton objectif va être de sécuriser et de prendre le compound S4 en bout de piste et d'arriver à établir un visuel sur ce que tu verras sur la piste et sur les bâtiments alentour. Est-ce que t'as pris Allié 340. J'aurais dû prendre une morphine sur un cadavre, chier. J'en ai pris une morphine. T'en as besoin aussi, ce mec ? Comment ? Non, c'est moi, c'est à quoi lui ? Ah, pas bon. J'ai qu'une morphine, tu te. Non, mais j'aurais dit. Ok, Sweden ? Yes, en position. Ok, où ta carte ? Ouais. On a Sierra qui va se déplacer de cette façon et se mettre sur S4 et arriver à choper un visu sur la piste en gros. Ok. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas taper sur Z1. Sécuriser à l'intérieur de Z1. Arriver à voir si on peut. Et après, tu feras des bonds hein, de zone en zone jusqu'au hangar. C'est reçu. On va attendre que. 2-3 minutes là que Sierra avance un peu, puis après tu pourras partir, d'accord ? Ouais, ça marche. Pour ça, bon, on va se mettre en ligne jusqu'à arriver sur la piste, ou en tout cas aux maisons. Rouge, vous resterez à droite. Bleu, à coup et moi, à gauche. C'est bien pris ? Ok. Pris. On avancera dans quel azimut, là, environ ? 220. On est proche du combat, là, donc. On est tout proche du combat, donc. Ouais. Ouais. Je passerai la morphine. En négatif, on est sur axe 2. Ouais, on est pas loin. Eh, Snake Sheet, t'as des traçantes ? Ouais. Ok, c'est bien pris, tu feras gaffe à ça quand tu seras sur S4. Ouais. Dis-moi dès que t'es à mi-chemin et j'envoie l'autre équipe sur Z1 depuis axe 2. Tu feras gaffe à tes tirs aussi du coup. Ah, je t'en prends juste 2. Merci. Ok, c'est bien pris. Bon, on risque d'avoir des renforts quand on arrivera sur l'aéroport, c'est ce que dit Briefing. Donc du coup, tes sauts de puce, ils vont devoir être super rapides, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est pour un diamètre de l'avion ? À tous les coups, ce sera un vieil Antonov tout pourri. Quoi ? Okay. Ou un Antonov ou un MDC-3, je pense. Il y aurait une garde assez élevée. En fait, moi je parie sur un Sukhoi. Ouais. Tu peux prendre on s'accroche aux ailes, c'est ça ? On va s'agripper au train d'atterrissage comme des putains de roumains. Oh, je vais mettre la morphine. Allez, combat. Normalement. Oui. T'as conseillé de la mettre avant. Si t'as mal. Ouais, enfin, ça
ralentit ton rythme cardiaque, il vaudrait mieux qu'il accélère un peu. Ouais, mais vu que les 30 secondes, je vois tout noir pendant 30 secondes, c'est moyen quoi. Oh, oh, efficacité au combat est un peu. Salut, ça va? Ouais, je fais semblant de faire mon boulot, et alors? Question 1. Contact inconnu 340, et ça se déplaçait pas vraiment comme des alliés. Transmet. Loin, proche. Random. Loin, après la fin. Attends. Ils ont peut-être des ok, je vais envoyer Sabre sur Z1. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouh là, oui, ça ressemble, c'est un uniforme vert ça. Hein. Ils ont possiblement des ennemis au cul, Random. Ils ont des ennemis derrière eux, les alliés, hein, parce que les alliés étaient pas là, ils étaient là-bas il y a pas longtemps. Ok. Ah oui. Ok, merci, bien pris, Susan. Syrah. Merci, Froggy. Bon messieurs, préparez-vous là, on va pas tarder à faire le bon en ligne. Ok chef. On peut y aller Soudan. Voilà ouais. On peut y aller Soudan. Allez messieurs, c'est parti. Ok Sierra, je vais vous interrompre, vous avez apparemment des ennemis repérés au cul, donc je vous conseille d'avancer très rapidement sur votre objectif. Et c'est quoi? Hein? T'as trop bien, quand on va arriver en haut, on aura plus de souffle. Ok, bien pris, sécurise ton objectif. On fait une pause dans 10 mètres. Bon, apparemment, on a une porte de sortie au niveau de S4. Pause maintenant. Ok, pause. Mirador, allongez-vous. Ok, j'ai un Mirador sur mes 11h, azimut 200, un homme à l'intérieur. Sierra, soyez vivés que vous pouvez potentiellement avoir des ennemis dans les Mirador. À vous. Ouais, ils l'ont dit avant, ouais. Ah, bah, finalement. Ok, rampez jusqu'à avoir un visuel sur le Mirador rouge. Droit devant. Hélico, audio hélico. Avancez jusqu'à avoir un visuel devant sur le Mirador rouge. En rampant. On avance un peu tout le monde. Qu'est-ce qu'il y aura, Random? Une fois que tu auras pris possession de S4 et que si tu as le goût de l'opportunité, tu pourras aller voir si tout l'appareil que tu as repéré est utilisable ou pas. Vous allez pas tarder à le voir là. Ok, il est juste devant là, 50 mètres. Ah ouais, juste devant moi là. Tu peux t'arrêter là, tu vas le voir. Vous êtes tous visuels là? Regardez le mec dans le Mirador en visuel, je vous donnerai l'ordre de le tuer à mon top. Pardon, Snakey. Quoi? Ne te lève surtout pas. Je t'écoute. Audio véhicule. UAZ. En face de nous. Dans la forêt? Je sais pas. Peut-être qu'il patrouille autour de l'aéroport. Ok, bien pris. Sécurise les alentours hein, si c'est possible. Le mec dans le Mirador, je l'ai pas.
Affirmatif, on est juste avant les premiers murs d'enceinte. On attend de neutraliser un sentinelle pour avancer. Parlez sur la radio à partir de maintenant. Oui, je suis à l'écoute. L'objectif va plus être de sécuriser Z1. Tu vas juste simplement coller contre la clôture et patienter là pour l'instant, ok. Tu vas être plus dans la zone. Ok, on peut commencer à y aller. Ouais, affirme des coups. Ok, chopez moi un visuel sur la sentinelle. C'est bon pour tout le monde. Ok, j'ai pas de fenêtre de tir moi. À mon top, vous tirez. Feu. On continue d'avancer en rampant. Ah, c'est crevant de ramper. Hein. Est-ce que tu peux partir vers Z1? On peut s'accomplir maintenant. Toujours en ligne. Tu peux partir, il y a un ennemi juste en dessous, juste en dessous. Duel au niveau de la guérite. Attendez, lancez une grenade dessus si vous pouvez. Un lance-grenade. J'ai pas. J'ai pas le mec. Ouais. Il y en a un deuxième à l'intérieur. Ok, c'est bon. Et là, on a Sabre qui attaque Z1 par l'est. On avance. Doucement. Je peux balancer une grosse si tu veux. On se regroupera dans cette zone, ok. Ok, on avance doucement. Tourne le mec dans la guérite. Tu peux le neutraliser ou pas? Bon, vous l'avez eu. Ouais, bien sûr, vous faites. On reprend. Je lance une grue dans le doute avant qu'on y aille. Tu donnes? Ouais. Prioritaire. On a notre équipe qui va replier en fait et arriver du coup sur Z1 par le nord. Donc attention dans cette direction. Je transmets. Ok, pour info, on a trouvé un moyen de transport. Les autres équipes sont en train de le sécuriser là au nord. On avance jusqu'à la clôture et on patiente. Okay. Est-ce que quelqu'un a une grenade restante là en 40 mm? Ouais, j'ai ça. Tire-moi sur la petite maison en dessous là. Ok. Frag. On baisse les têtes. Un peu court. Ah, taper dans l'arbre. Comment je peux faire? Je vais mettre plus loin. Ok, allez pas trop vite, hein. Sabre pour en pénétrer dans l'enceinte. Ouais, encore du fois trop court, tant pis. Ouais, on reprend en marche. Ouais. Mirador plus loin, à part s'il est couché ou quelque chose. Ouais. Parlez sur radio, j'entends pas. J'ai bien pris Freeze. Il disait qu'il y a un autre Mirador plus loin, en plein sud, mais je vois rien dedans pour le moment. Ok. Ange, rejoignez le. Okay, rejoignez bien, le Mirador. On va s'occuper de bleu, on couvre. Z1, histoire d'être sûr que les environs sont clairs. Ensuite, on s'occupera de la patrouille qui était sur l'avion et on ira le prendre. D'accord? Pour l'instant, toi, tu te sécurises et tu fais gaffe à ce qui arrive dans ton cul. Ouais. Et nous aussi, on ferait mieux de faire attention à notre cul. Qu'est-ce qu'il y a? Nous aussi, on devrait faire attention à notre cul. Tu parles pas très fort. Hein. Oui, je ne parlais pas très fort. Je disais qu'on devrait faire aussi attention à notre cul, donc je regarde les flancs. Ok, deux ennemis le long du mur vers le sud. C'est pas si vous des arbres ou des. Non, c'est des ennemis. Bah c'est bien pris, on recolle, on se positionnera en face de vous. Ok, il y a des ennemis derrière le mur. Il y avait des alliés. Hein. Ouais, c'est bon. Et juste ici, c'était déjà un forêt. Ils vous avancent dessus, c'est toute une patrouille, ils sont beaucoup plus nombreux que ça.
Allongez-vous. Il vous arrive dessus, il faut rentrer dans le périmètre. Engagez-les, vite. Quoi ça? Putain l'arbre, casse-toi. Éclair. Ok, confirmez-moi qu'il n'y a plus personne. J'en ai vu au fond, hein. Et je vous rappelle, gaffe aux tirs alliés avec les alliés qui sont au nord. Gaffe aux tirs alliés. Ouais. Encore des contacts qui arrivent depuis le sud. Vous avez plutôt intérêt à appliquer. Contact au niveau du mur. History, sur ta droite. Ouais, vu. Ouais, on va commencer à se déplacer. Allez, go. Hop, allez. Sur des ennemis entre le grillage et le mur. Entre le grillage et le mur. Go. Visuel extrêmement mauvais. Attention, on arrive. Ouais, mettez-vous à couvert, on va lâcher une roquette dessus ou quoi que ce soit. Lancez quelques grenades, si vous avez réussi à traverser sans vous faire tirer dessus, c'est plus de vos consignes. Putain, je tremble comme un putain de bordel. Il y a un bandage dans mon sac, il y a une morphine dans mon sac, plus que... Attends. Après. Gaffe random. Gaffe, il y a des ennemis en face au random, là. Sur ta gauche. On a des hostiles aussi sur le complexe en sud. Eh merde, j'ai tout oublié. Ennemi en face, 12h. Terrain, répète. Sont où tes ennemis là, Frodo? Sont où tes ennemis? Ils étaient en... Pleine morphine à con? C'est des tremblements. J'ai pas de douleur, mais je tremble. Okay. Ils sont là-bas. Terra de random. Avec tous les tirs. Si j'ai des douleurs, mais ça se barre. Répète, t'as pas mal de contacts, c'est ça que tu dis? Tu m'autorises à rentrer dans le mirador pour essayer de voir quelque chose? Oh, ça c'est casse-gueule, Froggy. Tu peux. Eh, tu crèves là-haut, tu te démerdes, hein. Ok, Sweden. Ouais. Go pour la sécurisation de Z1. Pourquoi il abandonne ton truc, abandonne. Quoi? Laisse tomber, Froggy. Descends. Allez. On se prépare pour le bon sur Z1. On va sécuriser les hangars. On est presque au bout, les gars. Lâchez rien. Tu m'entends, Wiko? Je sais pas comment on fait pour lâcher. Oh, s'ils m'ont pas tiré dessus, c'est qu'il y en a moins. Allez, on y va. Y a une sur les hangars, c'est parti. Il y a une patrouille au niveau de Z1, ok. Il y aurait du monde dessus. Froggy sur le flanc droit. Et merci pour l'info. Est-ce que vous ça va ou j'ai pas compris ce que tu allais me dire avant? Prêt. Prêt. On y va. Faites bien gaffe à la zone sur la gauche, l'avant-gauche, les sapins là, il y avait du monde avant. Espacez-vous. Ouais, j'ai niqué toutes mes grenades moi. En plus il commence à faire noir. Je sais pas si tu me parlais de moi, Mystery, mais c'est bon. Par de coups. L'endroit. What? Gaffe allié, on tire la route, est-ce que c'est vous qui nous tirez dessus? Ok. Allié, est-ce que vous nous tirez dessus? On fait flipper, hein. Ok les gars, on fonce sur le hangar, les alliés sont entre deux feux là. Go.
Ouais, c'est bien pris, on était juste derrière la patrouille que vous avez engagée. Ouais, attendez. Allez, cours, connard. Allez. Sur le plan gauche. Ok, en fait ils ont engagé des ennemis. Ils étaient entre nous en fait. Ah ouais, c'est ça. Ok, on est où là? On est là. On est là. Ok. Tu viens de la T, hein, c'est bon. Hop. C'est ok, t'es si sûr? Ok, tout ce qui va être au sud de nous là, on s'en tape, Sudan. Ok. Tu nous sécurises tout ce qui est au nord seulement. Ça marche. Ouais, parce que s'il y a des renforts qui arrivent par la route avec blindés et tout le bordel, on... Ouais, je vais les garder. Tu peux pas garder tes positions là? Par contre, moi je vois pas ce que je fous avec mes mines. Ça me fait chier. Les sacoches et tout le bordel. En fait, j'aimerais bien que tu gardes ta position là et que je refais monter sabre vers toi et qu'on se fuit tous les deux, vous alliez sécuriser l'appareil. T'as des mines à tout? Bah, j'ai des sacoches. Et du C4 quoi, mais. Ah. Je vois même pas pourquoi je les ai gardées en fait. On a un mec sur le mirador en face, là, de l'autre côté du tarmac, à 230, 500 mètres. Bon, random, du coup, on sécurise les... Ok, ce que tu vas faire. Hangar. Et là. En gros, il faut que tu remontes par ici. Voilà. Ok. Ok, pour info, les ennemis étaient là. Ouais. Les copains étaient là. Ouais. Bon, bah c'est parti. Ok, rouge. Qu'est-ce qu'il y a? On rejoint le point précédent. Ok, on confirme ta position. Par ici. Ok. En face. Quoi? Entre les deux hangars. Deux hangars? Entre les deux hangars, ouais. J'avance. Ok, c'est bien pris. Bâtiment juste au sud de toi, on a Sabre qui va arriver. Allez, juste un instant. Voilà, viens. On voit rien du tout, il pourrait y avoir un ennemi. On rentre dans le hangar ou on s'en fout? On va entre les deux, juste entre les deux, c'est tout. Parlez sur la radio. Juste entre les deux hangars, on va. Oh les sapins! Je me sens pas safe là. Ouais, c'est normal, c'est normal. Parce qu'on approche de la fin là. C'est pas bien de dire la fin comme ça. TR ou un truc en approche 160 UZ. Tout aussi dangereux quand il vous écrase. Ouais. Ça va Sweden? T'arrives à gérer ou... Ouais Ok, pas de soucis. De passer devant le loup dans quelques secondes. Neutralise ou pas? Allez, feu. Feu. Gardez des balles pour qu'on puisse descendre. Ouais, carrément toi, tu tires là-bas. Bah j'ai eu. Ok, on a mon 300, j'ai l'impression que je vois un hostile, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est un hostile. Ouais, il y a 307. Gaffe, on a les 305. Azimut 205 de l'autre côté de la piste, ennemi qui se déplace vers la gauche. Ouais. Attends. Répète ça, leader. C'est la personne là. Ouais, c'est bon. Est-ce que je peux voyez ma merde là.
qu'il y a tout le monde en, dans le hangar nord, là, décroché, venez avec moi. Ok. On remonte le long du tarmac, tout au nord. Avant que nous arrivions au cul, là. Coup présent. Par l'avant ou l'arrière du hangar? Bonne question, fais gaffe hein. Ouais, putain de merde. Apparemment. Balance. Oh derrière. Ça traverse le tarmac derrière nous. Y'a du monde à l'intérieur Sweden? Y'a du monde à l'intérieur. Beaucoup? Bah y'en avait au moins un. Un avion à l'intérieur. Quelqu'un peut me patcher là, je suis blessé. En face. Secure les gars. Tous dans le hangar. Abattu un proche 160. Relève. Putain, venez vous mettre à couvert les gars. Cette fois il est mort. Allez tout le monde dedans. Go go. Rien. Alors attention, on a les amis juste à côté du hangar de l'autre côté. Hein. Ouais, oh, et les hangars blancs, il y a des hostiles. L'avion là, on est safe pour embarquer. Ouais. Tout ce qu'il faut dedans, on est à couvert, ce serait parfait quoi. Y a au moins un c'est mec le premier hangar au-dessus de là. Ouais, il y a un pop-off au niveau de la porte bleue. Il y a des hostiles sur la tour de contrôle pour info. Là. Putain, je vois rien. La douleur, la douleur. Oh putain merde, dernière balle de charge. Con. Il y a que je passais à l'assaut du hangar comme ça moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien joué. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aurais pas la moindre idée. C'est quoi ce bruit? Un mortier. Oh, il y a une énorme patrouille qui nous arrive depuis le 165. 165 en plein milieu du tarmac. Énorme patrouille. Et quand je dis énorme, ouais. C'est mort en permanence, mon vision. Ok, messieurs, on se rend défensif ici. Allez, les alliés vont nous rejoindre. Ah bah, regarde, tu vois pourquoi le mortier est là? Qui est sorti de l'autre hangar. Wow, 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 wow. Recharge. Est-ce qu'il reste un bandage à quelqu'un? Ouais. Je ne vais pas. Recharge. J'en aurais bien besoin. Qui boite. Ah. Elle boit. Putain, mais il est costaud ce mec. Ah, c'est bon. Il est plus. Oh putain, je vois plus rien. Aïe 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 aïe. On engage partout maintenant. Non, que du sud. On charge. Je vois le tour de contrôle, ouais. Recharge. La vache.
Bon bah, on en a descendu un paquet là. Et Sweden, il est toujours vivant. Sweden, ça va? Ça va, ça. Non, il s'est venu, merde, je crois même qu'il est mort. Ah putain, oui. Ah ouais, non, mais je prends une balle de plus là. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est même plus de bandage qu'il a besoin, c'est. Oh shit. Ouais, là il est moche. Prends sa radio. Ouais, oh putain. Bon, il se passe quoi avec Sweden là, il est où? Je crois qu'il vient de crever, mec. Oh putain, ok, merde, merde. Je prends sa radio. Tu peux faire Froggy. Bon, on attend quoi pour se barrer là? Alors, Antonov, il vole pas très bien sur les balles. Ok, à tous les survivants de sabre dans le hangar. Ouais. À tous les survivants de sabre dans le hangar dans l'Antonov. Ok, on embarque les gars. On rentre dans l'avion. Piloter s'il faut. Ouais, on embarque. Ouais, vas-y. Et lui, on peut pas le ramener, on peut pas le traîner, on peut pas le. Rico. Arrête de tirer, j'ai petit. Est-ce que tu peux te rapprocher de S4, on passe te prendre en avion. Filé. Ok, on va se mettre sur S4. Ouais, on embarque. Bon. Ok, dites-moi quand je peux y aller. Je suis à bord, coup. Je suis à bord. On attend. Débloque les contrôles, Foggy. Allez, comme dans James Bond. Attends, il faut attendre les copains. Tu vas aller chercher là. Ok, on arrive, c'est bon. Ok. Putain. Il va falloir que t'entres le plus vite possible. Je vois rien. Viens de côté intérieur le plus vite possible. Ils sont en train de traverser là. Une fois qu'on a récupéré que je donne le go, tu te démerdes pour t'envoler et partir vers l'est. Oh putain, c'est Hera, est-ce que tu vas pouvoir embarquer ou pas? J'entends même pas Sierra sur la radio. Je les vois, ils arrivent par la droite. Ah bah il y avait un C-130 à droite. Bon. Ça vole bien en tout cas, ça décolle mieux. Ça vole ce truc? Oh, ouais. C'est bon? Négatif. Parlez-moi à la radio pour me confirmer que je peux y aller. D'accord. T'inquiète pas, je te dirai Foggy. Y'a c'est bon? Allez, c'est bon. Go. Je te dirai d'abord. Ok, c'est bon. C'est bon, et Foggy. Et où, attends, 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 Olipro. Oui. C'est bon. Je suis à bord. Allez, go. Allez, go, go, go. Go, 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 démarre. Il est en face de moi, Olipro. Avec ses jeunes zombies. Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord, veuillez relever vos tablettes et attention, il y a un MI-8 qui nous fonce dessus. T'arrêtes pas de fermer la porte ouverte, c'est bien. Mystery, tu peux passer à l'avant dans le cockpit pour me. Oh là, Froggy, merde! Le pilote! Y a-t-il la pilote de la vie? Soit le Froggy, Mystery! Froggy, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis nouveau là, mais je sais pas ce qui m'arrive! Froggy, il va bien! On a pris les dégâts en volant. Il faut soigner Froggy! Il a rien! Et moi, tu peux... Ah! Passe dans la cabine avant pour me suturer, Mystery! Ah putain... De Sierra Leader, faudra aller se marrer parce qu'on est toujours pas arrivé à la mer, hein. On aille à la mer? Ouais, enfin là, si nous arrive quelque chose, j'y peux rien. C'est bon, Froggy, tu gères. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Maximum d'altitude, hein, Froggy. Prends un éclat. À travers le cockpit. Ouais, c'est avec le Faraday. Ça serait la théorie. Hein. Ah, alors, le système explose, mais alors, un tonneau, c'est pas de système. Donc, c'est bon. C'est russe, c'est ton cas. Il a un missile solaire. Oula, j'ai mis le drop. On est trop long pour un missile. Vers l'est, hein, on est d'accord. Non, mais les missiles sont. C'est ça. Ouais, la mer c'est à l'est. Parler, hein, parce qu'on commençait à plus rien voir en fait. Oui. Je... Mais bon, ça va toi, il faut toujours des voiles noires en permanence. Ah, y'a la foudre qui s'abat à côté là, c'est magnifique. Putain, je me demande encore ce que j'ai foutu de mes NVG là. Je les ai laissés en campement, je crois. Faut retourner les chercher. Tu veux qu'on retourne les chercher? Ouais, bonne idée, tu sais te poser en plein milieu. Ouais, pas de soucis avec un truc comme ça. Aller pour piloter. Bah c'est déjà, il est en train de piloter. On a un pilote et un copilote. Tiens, si le pilote c'est la nuit. Non mais au cas où il est en train de tomber dans les vapes. Pas tomber dans les vapes. Jusqu'ici
va. Moi qui prends l'attitude et quelques pilotes. Ici, ici. Écoute, je pense pouvoir nous maintenir en, en l'air si jamais il y a un problème. Bah j'espère. On a un copilote ou moi? Ouais ouais c'est moi. Mais par contre Mystery, tu peux me suturer le bras? Oh putain, ouais. Donnez-moi un parachute vite. Bah il y a les parachutes dans l'avion, je vais aller prendre justement. Sur votre gauche, la ville de Krasnostav. Eh bah mince. C'était vraiment une mission épique. Ah. Ça va, Random? Pas trop mal de... Je vais me... Désolé pour toi, Sylvain. Je vais... Il fallait que tu me... C'était pas possible que tu survives, hein. C'était trop beau. Oui, voilà, c'est ça. Je vais aller pisser et je reviens faire un briefing. Un débriefing. Bien. Bon, alors, première... Clarification, la vieille, les premiers ennemis qu'on a engagés, c'était bel et bien des ennemis. Oui, oui, ben oui, c'était pas de soucis. Non, non, mais là, je sais pas que je crois. Là, c'est, j'ai regardé les résultats à la fin et c'est, j'ai que descendu des ennemis, pas d'alliés. Mmh. Ah, bah oui. Non, Weldrick t'aurait tué de toute façon. Par contre, toi, t'en as touché un visiblement parce que Weldrick t'a tué. Ah, bah c'est Setch, il a buté Setch. J'ai tué Setch, j'ai laissé Warzen. Donc désolé Warzen. Ah mais tu m'as blessé aussi. Pas de soucis. Ah, aussi. Et tu drapes aussi. Et tu m'as blessé défoncé aussi. Défoncé Sierra. Putain. Vous aviez des ennemis super près alors. Parce que les tout premiers c'était bel et bien des ennemis. Bah c'est ceux qu'on défonçait Warzen et... Warzen et Dranak. Je suis sûr d'en avoir tué un et... Non non. Et il n'y a pas eu d'allié qui a apparu dans... Si, les deux qui arrivaient par l'est vous avez descendu. C'était ceux-là en fait. Bah ouais, ça devait être deux. Ouais, il y en avait deux, ouais. En fait, il les a vus arriver, et à partir du moment où ils sont rentrés dans la forêt, il les a plus vus. Et vous les avez descendus, et en fait, quand il a récupéré un visuel sur ce qu'il pensait être justement cette patrouille, et ben en fait, c'était nous. Voilà, ça te fait bien résumer l'histoire. Wendry a fini le travail. Eh ben putain, quelle aventure. C'est clair. Alors Foggy, on décide de faire...